Et rebonjour à toutes, la pause, rebonjour à toutes et à tous. Nous revoilà donc pour la run de Super Mario Odyssey de Xerxes. Le retour de la vengeance. Enfin, de la vengeance, c'est pas comme si t'avais quelque chose à venger. La run de Bowser's Fury s'est très bien passée. Et celle-là se passera au moins aussi bien, j'en suis certain. Du coup, nous sommes accompagnés de Général Mas encore. Salut Général. Général. Salut et du coup, re à tous du coup. Parce que bon, finalement, on s'est vu il y a à peine plus de 30 minutes pour les gens du chat. Mais, c'est ça. Bon, on est prêt pour... Vous êtes prêts? Alors, vous dites, dis donc, c'est quoi cet écran de Mario? Ça ressemble à rien. On va tout vous expliquer. De toute façon, la run est quand même dure plus d'une heure. On aura le temps de vous expliquer pourquoi on part sur l'heure et la date. Du coup, tu nous fais un petit décompte, exercice, et puis on y go. Ok, ouais. Eh ben écoute. Tu me prêtes, c'est bon. Ouais. Quand tu veux, tu nous fais un petit décompte et on lance le time. Donc, 3, 2, 1, go. Eh bien, bonne chance à toi. Good luck. Merci. Du coup, alors, juste avant de commencer, vous l'avez vu? Enfin, Xerxes, du coup, de son côté, a mis une certaine heure, une certaine date avant de lancer son jeu. On y reviendra un petit peu plus tard, parce que là, pour l'instant, c'est pas forcément intéressant d'expliquer ça tout de suite. Mais quand on sera arrivé au deuxième royaume, au troisième royaume du jeu, on verra à quoi ça a servi et ce sera plus intéressant d'expliquer pourquoi il a fait ça à ce moment-là. Du coup. Super Mario Odyssey, on est sur un jeu, donc le dernier Mario 3D qui est sorti actuellement, qui a énormément de mécaniques de mouvement. Je pense que on peut vraiment dire que c'est le plus complet en termes de package, de mouvement qui dispose, puisque on va avoir un petit chapeau qui s'appelle Capi, qui va nous accompagner durant tout le jeu. Et qui va nous permettre de faire pas mal de tricks, notamment des petits rebonds sur lui. Alors, vous allez entendre pas mal de termes qui vont revenir assez fréquemment, mais je les expliquerai au fur et à mesure. On parle notamment de Capi Dive, du fait de... bien sûr. Ok, je me demandais pourquoi Xerxes avait la tête basse sur le retour caméra. J'ai compris. Non, mais ça, c'est une technique secrète que lui a prise Lightron. Ça permet de créer du buffer dans le jeu. Et du coup, à la fin du jeu, il va gagner 15 secondes. Voilà, dis tout ça. Je crois que ça commence déjà à chambrer en début de partie. pas du tout, c'est un professionnel. Il sait pertinemment ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Non, bon. En gros, là, ce qu'il va nous faire, c'est donc Cap Kingdom, qui est donc le premier royaume, puisqu'en fait, le jeu se divise en plusieurs royaumes. Et donc, le premier, c'est du coup le royaume des chapeaux, puisque toute la mécanique du jeu est basé sur ça, sur les chapeaux. Yep. Et là, avant de continuer mes explications, on va regarder quelque chose qui s'appelle le left side, qui est donc un des premiers gros tricks de la run, qui est bien exécuté de la part de Xerxes. On a bien joué, ouais. 3 secondes, alors qu'au final, c'est un véritable enfer à faire. Ouais, c'est super compliqué. Ah oui, non, mais ça, c'est un truc qui date de... Enfin, qui est pas du tout récent, hein. C'est quelque chose qui s'est fait dans les premiers mois après la sortie du jeu. Mais ça va consister à abuser de certaines mécaniques qui sont peut-être des mécaniques qui sont un petit peu si j'ai les dans ces explications là, c'est un petit peu du détail pour l'instant, mais il y a dans le Capi Dive, le fait de rebondir sur Capi, il y a des éléments à prendre en compte qui permettent de gagner de la hauteur et de la distance qu'il faut exécuter parfaitement pour réussir à faire ce saut, quoi. Sinon on est censé passer par la droite, du coup le right side, et du coup c'est beaucoup plus simple, il suffit de faire des roulades. C'est ça, et comme tu le disais, hein, Super Mario Odyssey, avec l'ajout de Capi, a vraiment un panel de mouvements différents qui est complètement fou, dont beaucoup qui seront utilisés dans la run, qui sont totalement, j'allais dire, inutiles, entre guillemets, dans le jeu en casu, quoi. Il y a plein de mouvements qu'on va voir là, dont vous n'avez pas besoin pour finir le jeu, mais qui sont utiles dans le jeu, quoi qu'il arrive, et en speedrun encore plus. Et alors en plus, quelque chose qui... alors je vais me dépêcher d'expliquer ça, mais en plus, énormément de mouvements sont basés sur le motion control.
On le voit peut-être pas forcément à la cam, mais Xerxes bouge en permanence ses bras, en fait. Il bouge en permanence la manette. Et c'est quelque chose où, quand on n'est pas habitué, ça peut être assez anxiogène quand même de toujours devoir bouger sa manette en permanence. Mmh. Ça peut être aussi assez nerveux. Enfin, ça peut rendre assez nerveux et assez ça peut créer des situations assez frustrantes. Et là, du coup, attention, la première prédiction qui est lancée sur l'IDSS de Xerxes qui. Malheureusement, du coup, n'est pas passé, qui est un trick qui fait gagner une dizaine de secondes s'il est exécuté parfaitement. Mais on va dire que ça, c'est vraiment une stratégie utilisée par les machines, ouais. par les gens qui sont dans le top du leaderboard, on va dire. Ouais. Parce que ça fait gagner 10 secondes par rapport au DSS, par rapport au Dinoskip tout court, qui est donc pourquoi Dinoskip ? Parce qu'on va prendre le contrôle d'un tyrannosaure qui se trouve ici. Et on va le déplacer sur des rochers, comme là vous allez pouvoir le voir. Et il va mettre son pied sur un trampoline qui se trouvait en dessous de ces rochers pour rebondir comme ça dans les hauteurs et atterrir directement au flag du boss Madame Brudols qui se trouve ici. Yep. Où le but va être de prendre le contrôle de son champ et de lui envoyer. Ouais, effectivement, en utilisant la stratégie qui a été trouvée par Julian à l'époque. Où en fait ça consiste à. Se positionner à un certain endroit par rapport à la zone maximale à laquelle le champ peut accéder en nous fonçant dessus, faire un backflip sur sa tête pour retirer le chapeau qu'il y a bien sûr sur le champ et envoyer Capi dessus pour en prendre le contrôle et l'envoyer dans ses dents de lapin. Et du coup il faut le faire 3 fois et donc comme beaucoup de boss de Nintendo, 3 fois 3 points de vie. Et le boss est down. Et du coup, on obtient une multi-lune qui est donc une triple lune. Du coup, ça permet de. Enfin, les lunes, en fait, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué encore parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs expliqués au début. Ouais, c'est super dense. Les lunes, en fait, c'est ce qui va servir de carburant pour l'Odyssée. Parce que ça s'appelle pas Super Mario Odyssée pour rien. C'est parce qu'en fait, l'Odyssée, c'est le vaisseau qu'on va débloquer dans cette cinématique qui arrive tout de suite. Et en fait, les lunes, on va pouvoir les mettre sur le Globetrotter et les envoyer en tant que carburant sur l'Odyssée, enfin dans l'Odyssée, afin de, bien sûr, accéder au prochain royaume. Et là, Xerxes, qui nous fait une petite dinguerie encore, de ce que j'ai l'impression, il va tenter de clip inbounds dans... Oh là là, c'est... C'est très joli. Ouais. Bravo, ça, ouais. C'est beau, ça. Il a clip inbounds, alors ça fait gagner, mais... très très peu de secondes, hein, mais comme le flex enseigné Intello, faire un bon temps c'est bien, mais avec des points de style c'est encore mieux. Donc du coup, il s'est dit, tiens, et si on plaçait ça pour le Stunfest, et il a réussi first try. Alors de toute façon, il n'y a pas de man game, hein, c'est-à-dire que si vous réussissez pas first try, c'est mort. C'est ça, parce que c'est le fait de prendre la lune qui vous permet de clip, donc forcément. Alors peut-être, Mas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le jeu est en japonais, est-ce que ça fait gagner vraiment beaucoup de temps sur l'ensemble de la run ? Allô, est-ce qu'on a perdu Mas ? Peut-être. Allô ? On a perdu Mas. Allô. Alors, bon, de toute façon, continuons comme si de rien n'était. Je sais pas si Xerxes nous entend. Mais donc là, il arrive au deuxième monde et c'est... En fait, ce qu'on va décider de faire, c'est mettre la graine, rentrer dans une loading zone. Donc ici, ça va être le tuyau qui se trouve juste à côté. Et suite à ça, le fait de sortir du tuyau... Au moment où on va passer de 53 minutes à 1h pile, bon là il est obligé de le faire manuellement parce qu'il a perdu un petit peu de temps, on va passer un changement d'heure qui fait que du coup on va pas passer à 1h du matin, mais à 3, enfin de 1h du matin à 2h du matin, mais à 3h du matin, ce qui fait que du coup la graine va pousser instantanément. Yep. Alors Mas, je crois qu'on t'avait perdu sur le stream, mais on a eu la fin de l'explication de la graine, donc c'est ok.
Voilà. Ah d'accord, parce que moi du coup, moi je ne vous entendais pas et c'était limite pour me dire qu'on m'entendait, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, moi je t'avais juste posé une petite question, Mas, par rapport à la langue qui est du coup en japonais. Est-ce que tu peux nous dire si vraiment il y a un gros gain de temps et combien est-ce qu'il est estimé d'être en japonais? Alors du coup, alors c'est pas du japonais, c'est du chinois simplifié. Et par rapport au japonais, ça fait gagner, alors pas dire de bêtises, mais c'est quelques secondes plus rapide. 3 secondes, ouais, bah voilà. C'est quelques secondes plus rapide par rapport au japonais, mais pendant très longtemps, ouais, ils ont run en japonais. C'est... Oui, oui, alors je me rappelle, enfin, il y avait eu beaucoup de débats. Après, peut-être qu'avec les patchs du jeu, ça a dû changer, mais il y a eu pas mal de trucs. Au début, ils avaient juste timé le début et ils étaient partis sur le chinois. Et après, en fait, quelqu'un avait timé tout le jeu. Et il était repassé sur le japonais et donc apparemment du coup c'est revenu sur le chinois pour des alors, obscures raisons de speedrunner. Comme je sais que Lightron est dans le chat, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble qu'ils sont repassés au chinois depuis la dernière mise à jour en fait, la mise à jour sur laquelle ils run, parce que pendant très longtemps ils ont run sur la toute première version du jeu quand le jeu était sorti. Et entre temps, la dernière mise à jour qui est sortie, ça a fait en sorte que les loading zones soit vraiment très courte. Yep. Et du coup, ça a permis de gagner plus de temps à faire ça qu'autre chose, quoi. Et du coup, oui, j'allais dire, en fait, les prédictions, la prochaine prédiction du Nutclip, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oh là là. Peut être lancée, du coup, elle a été lancée, c'est super, merci, ouais. Modérateur. Alors là, on vient de voir un truc, moi, j'avais jamais vu ça. On a tourné en rond sur nous-mêmes, on a été complètement éjectés de l'autre côté. Ah oui, c'est les moves de Mario Odyssey, ils sont vraiment, il y a vraiment une panoplie de mouvements qui est incroyable. Ah non, mais oui, puis d'ailleurs, il y a effectivement un petit truc à prendre en compte. C'est que, on l'a pas précisé, mais en fait, dans Mario Odyssey, on peut prendre le contrôle des ennemis en leur mettant notre chapeau dessus. Alors du coup, il y a des petites théories sur le jeu qui nous disent que en fait, comme le but du jeu, c'est de sauver la princesse Peach, mais aussi la sœur de Capi, qui est donc le diadème de Peach, eh bien en fait, effectivement, il y a ce truc-là, quoi. On se dit que peut-être que Capi, en fait, il prend le contrôle de Mario pour aller sauver Peach. Pour aller sauver sa sœur, en fait, mais bon, ça, c'est une petite théorie. les théories auxquelles Nintendo n'a sûrement jamais pensé. Oh, magnifique, là, le bloc... Le bloc qui détruit pour choper la lune au très bon timing. Ouais, alors ça, on appelle ça le reverse jaxis skip. En fait, ça consiste à faire une route particulière qui fait gagner, accrochez-vous bien, une seconde, si c'est bien exécuté. Sauf que Xerxes, il fait partie des personnes qui se disent, tiens, j'ai envie de learn un jeu, j'ai envie de learn les trucs les plus difficiles dès le début. Du coup, il a réussi à bien exécuter son reverse jaxis skip, et donc c'est parfait parce que du coup, le Bibal a explosé le rocher avec la lune dedans au bon moment. Et si c'est pas bien exécuté, de toute façon, on est censé perdre du temps à rechercher un autre Bibal, et du coup, là, ce n'était pas le cas. Donc, bien joué à lui. Et là, donc c'est la dernière lune. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Oui, ouais, t'inquiète, on n'hésitera pas. Pas de soucis. Dernière lune du niveau et on va se TP. C'est vrai que dans tous les niveaux on peut se TP hein, pour revenir à l'Odyssée. Et, ou au checkpoint aussi. Ou au checkpoint, c'est vrai qu'il y a des checkpoints dans le jeu. Mais quand on prend un checkpoint, en fait, non seulement ça redonne des points de vie, ça donne aussi un peu des pièces si on a tous nos points de vie, mais surtout ça permet de se téléporter en fait à cet endroit-là en ouvrant notre map. Et du coup, ça permet de gagner pas mal de temps sur notamment Metro Kingdom, qui est le niveau de la vie qu'on verra plus tard. Ouais, bah surtout que certains niveaux sont quand même assez vastes, hein, donc quand on a envie d'aller à un autre endroit, c'est toujours pratique. Ah bah là, clairement, celui qu'on vient de faire, Sand Kingdom, c'est le plus grand de tous. C'est vraiment le plus grand de tous les niveaux, et d'ailleurs, c'est celui qui a le plus de lune, il me semble. Alors si on compte pas le Royaume Champignon avec Toadette. Mais ça c'est du détail parce qu'au final on le verra pas dans la run, mais dans le jeu il me semble que c'est le niveau qui a le plus de lune, il y en a plus de 100 dedans, donc c'est quand même assez conséquent. Ouais. Parce qu'en fait c'est vrai que dans le jeu de base en fait, parce que là on est en speedrun, on est content, on essaie d'aller vite, mais dans le jeu de base en fait le but c'est d'un petit peu explorer et de choper un maximum de lune en gros. Et, totalement. Nous justement dans le speedrun le but ça va être simplement de prendre le passing le plus opti pour ramasser le nombre de lunes nécessaires et se barrer le plus vite possible du jeu. On n'a pas l'obligation de faire des flags
dans cette catégorie, c'est-à-dire des flags, des éléments nécessaires à la progression de l'histoire, puisqu'au final, l'histoire, c'est un petit peu comme dans... Enfin, si j'ose dire, c'est un petit peu comme dans Breath of the Wild, où il faut aller sauver la princesse, en fait. Et ensuite, il y a du lore si on développe, en fait. C'est ça, ouais. Si on veut développer le truc. Tous les... Le but du jeu, de base, c'est ça. C'est, voilà, c'est, on veut faire ça. La grande majorité des boss, en fait, est optionnelle, ouais. Oh là là, c'est first try. Oh. Alors ça, c'est un clip qui consiste à profiter de quelque chose. En fait, quand vous envoyez Capi, et même Mario, en fait, dans ce jeu, quand il est dans un... Quand il y a un mur, en fait, à un angle à 90 degrés, il y a un petit interstice dans lequel, en fait, il peut passer. Et du coup, en fait, il va... Ce qu'a fait Xerxes, c'est... plusieurs choses. Il a envoyé Capi contre le mur jusqu'à temps qu'en fait Capi passe dans le bon interstice, en fait, qui passe à travers le mur. Ouais. Ensuite, une fois que ça a été fait, il a pu faire un saut, un grand pente pour faire une roulade et aller vers Capi qui du coup était de l'autre côté du mur, rebondir sur Capi pour ensuite pouvoir faire un dive contre le mur, donc en passant à travers le mur puisque du coup il est plus considéré comme étant dans la partie intérieure du monument. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, parce que c'est pas fini, il a dû faire un mouvement avec sa manette vers le haut pour lancer Capi vers le haut, choper le checkpoint qui était en dehors de la zone qu'on ne voit pas, qui est juste au-dessus, ouais. Et dive à travers le mur qui est encore derrière, pour ensuite arriver dans une zone où il y a un coffre avec une lune dedans, quoi. Donc pour vous dire, c'est un sacré bordel, mais ça permet de gagner du temps. Et après, le checkpoint, d'ailleurs, lui permet d'en reprendre une lune. Voilà, et puis là, le temps qu'on ait eu ces explications super détaillées, on vient de choper une ribambelle de lune. On en est, je crois, 4 ou 5 de choper. Ouais, bah, c'est bon. C'en est fini pour le niveau. Ça enchaîne, c'est incroyable. Alors, on parlait tout à l'heure d'aller vite. Le jeu, on a un estimate à 1h15. On a combien de monde dans le jeu? Et est-ce qu'on a des skips qui sont vraiment des gros skips dans le jeu? Alors, oui, il y a des gros skips dans le jeu. Après, combien il y a de monde? Il faudrait que... Alors, je connais tous les mondes, mais juste, j'ai pas en tête comme ça le nombre de mondes qu'il y a. Il faudrait que j'en fasse le calcul. Mais je sais, par contre, pour finir le jeu, il faut 124 lunes. Donc, il faut 124 lunes pour finir le jeu. Et du coup, ça fonctionne beaucoup comme ça, quoi. Donc ouais. Là, notre objectif, ça va être d'aller choper les 124 lunes. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Parce que même si donc les batailles de boss, parce que là on a passé, en fait on skip des batailles de boss qui sont normalement prévues dans le scénario du jeu, et c'est pour ça que le vaisseau de Bowser en fait nous précède, c'est toute une poursuite dans le jeu, et si on prend assez de lune, même sans faire les boss, Bowser s'enfuit pour nous précéder et aller mettre le bazar dans un autre monde. Oui, d'ailleurs, le petit lore qui est développé sur chacun des mondes, c'est qu'en fait, dans chaque royaume, Bowser va voler quelque chose pour préparer son mariage avec la princesse. Parce que oui, il la kidnappe pour se marier avec, du coup. Et là, par exemple, dans le royaume de Wooded, donc le royaume de la forêt, j'imagine, en français, eh bien, il va voler des fleurs pour lui offrir le jour de son mariage, du coup. Parce que ça a beau être quelqu'un qui séquestre des gens, il est très romantique, quoi. Donc, il y a quand même une certaine forme de principe, si je puis dire, quoi. Alors, du coup, là, on arrive bientôt au note clip, où là, en fait, Xerxes va vouloir d'abord prendre le contrôle de ce petit oignon qui lui permet, en secouant sa manette ou en appuyant sur le bouton saut, enfin, en laissant appuyer sur le bouton saut, de gagner de la hauteur pour aller chercher une lune sur la droite, et ensuite dive, comme là, il vient de le faire, pour ensuite tenter de faire un clip. Alors un clip, c'est quoi? C'est un clip qui est basé sur uniquement de la rythmique. Il y a carrément une vidéo YouTube qui permet d'avoir le rythme de ce truc là. En fait, il va se positionner en dessous de la note comme il vient de le faire et faire un rythme qui consiste à faire tout tout pas tout tout pas, où il va devoir faire un backflip capi dive, enfin caps throw vers le mur qui est derrière la lune, et du coup s'il exécute parfaitement le rythme, eh bien, en fait, il va pouvoir passer à travers le mur et du coup continuer sa progression. Là, il n'a pas réussi, du coup, il doit faire une backup strat qui consiste à arriver au niveau de la pente où on est censé arriver un petit peu après avoir fait notre clip. Donc, du coup, là, il y a une petite perte de secondes, mais surtout, plus qu'une perte de secondes, il y a une perte en fait de lune. On est censé récupérer une lune au passage qui était dans un petit mont de terre juste après, mais c'est pas trop grave parce qu'il y a une lune qui va pouvoir choper juste après sur une grande plante piranha, et du coup. Il va pouvoir backup là-dessus, quoi. Yep.
On en a combien à peu près des backups en termes de lune au cas où s'il arrive comme ça des imprévus au cours de run Oh, il y en a un paquet, en fait, ça dépend. En fait, on va dire que c'est tellement un niveau, enfin, un jeu qui est riche en fait en termes de lune, que si vous voulez, quoi qu'il arrive, le jeu il pourra toujours finir assez vite. Quoi qu'il arrive, c'est juste que vraiment, si on veut descendre en dessous des 1h10, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça c'était short. Ça devient un petit peu plus compliqué, bien sûr, d'atteindre un temps qui est vraiment très optimisé, quoi. Ouais. Sinon, non, il n'y a pas de trop de soucis à se faire au niveau des backup strats. Il n'y a pas de strat qui fait qu'on va soft lock ou je ne sais pas quoi. Une petite pensée à mon cher ami Tinker. Mais on va dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Mais la route a vachement changé avec le temps. Hein, on a trouvé des nouvelles strats. Au début, on faisait beaucoup plus de boss parce qu'ils donnent 3 lunes d'un coup. Donc calculer si c'était worse ou pas, c'était ça se discutait. Bon, maintenant ça se discute plus avec les strats les plus optimes, mais voilà, il y a énormément de backups de toute façon, vu que la route était totalement différente et ça allait déjà très vite à l'époque. Ah oui, alors justement, le but de faire le note clip, c'est de skip le boss de la zone qui est donc un autre des lapins, là, les Broodles, qu'on appelle ça, qui s'appelle Spiwart. Et en gros, faire un boss, c'est bien parce que ça donne 3 lunes. Ça donne une triple lune, donc c'est cool. Hein. Le problème, c'est que déjà, le fight en soi, c'est scripté, donc c'est assez long. Mais en plus et surtout, quand vous terminez et vous chopez une triple lune, il y a une animation qui dure approximativement l'infini, si mes calculs sont bons. Et à plus ou moins 2 secondes, c'est ça, ouais. Vous perdez du temps pour rien, quoi. Vous perdez du temps pour rien. Alors que là, du coup, le fait de faire le note clip, si tout est bien exécuté dans le reste de Wood Dead, vous gagnez 25 secondes. Donc, en sachant que c'est un jeu qui est vraiment très optimisé aujourd'hui. C'est 25 secondes, c'est énorme, quoi. La moins 2 secondes, maintenant, ça devient très difficile de gratter, quoi. Yep, yep. Et j'imagine que, comme dans beaucoup de Mario, le leaderboard doit être assez riche en runner, non ? Oui, SMO, c'est un jeu très runné, hein. C'est un jeu très, très, très runné. Il n'y a qu'à voir sur speedrun.com, je ne sais plus combien il y a de runners, mais effectivement, il y en a de toutes les époques et de tous les horizons, ça c'est sûr. Il y en a vraiment beaucoup, mais comme tous les jeux Mario, hein, de toute façon, dès que c'est un jeu Mario, j'ai envie de dire, même si Nintendo n'est pas très fan de la procédure qui consiste à terminer un jeu rapidement, aujourd'hui, on va dire que... On leur a tellement cassé de jeux aussi à Nintendo, on peut les comprendre, hein, quelque part. Alors celui-là, c'est ça qui est cool avec ce Mario, comparé à un 64 qui en effet va être complètement arraché. Celui-là n'est pas cassé, quoi. C'est vraiment optimisé au poil, quoi. Y a peut-être des trucs qui peuvent arriver plus tard. On a vu quelques clips, mais voilà, bon, comparé à un Mario 64, on n'est pas encore au niveau de n'importe quoi. Mais oui, en effet, c'est vrai qu'il y a quelques clips, et puis enfin, il y a même d'autres qui existaient peut-être, je sais pas, ils ont peut-être été patchés entre temps, mais bref, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'on on ne va pas ridiculiser le jeu en lui montrant que c'est du gruyère totalement. Et du coup, donc le note clip, du coup, la prédiction, on peut l'arrêter là-dessus. Et ouais, donc ça a été, il a pas réussi, hein, on est d'accord. Non, il n'a pas réussi, du coup, le note clip. Du coup, le prochain, c'est Scooter Clip, donc ce sera après Lost, donc je dirais quand on y sera, c'est dans deux royaumes, du coup, puisque là, on se dit, ça y est, on peut aller à métro. On peut enfin aller à ce fameux royaume qui nous a été tant teasé dans tous les... C'est ça, ouais. Dans tous les commerces. Toutes les pubs et tout qu'on a pu avoir sur le jeu. Et en fait, là, petit plot twist, on va rencontrer le vaisseau de Bowser dans le royaume des nuages. Et on va pouvoir se fight, du coup, une première fois contre Bowser. Ça y est, c'est le boss de fin. Voilà. Donc là, c'est bientôt la fin de la run, donc il est encore underestimate. Mais, il a aussi double vert, by the way, du coup. Mais on va dire que là, effectivement, voilà. Alors, le fight de Bowser, alors il est vraiment pas dur à comprendre. Il y a beaucoup d'opti dans speedrun pour le combat de Bowser. Mais en termes de compréhension du pattern, c'est pas très compliqué. En fait, vous devez choper le chapeau blanc de Bowser. Et en fait, quand vous le chopez et que vous le lavez sur votre tête, il a des... Il sort des petits gants de boxe, et en fait, du coup, il faut secouer sa manette. Encore une fois, hein. Là,
comme je le disais, on le voit pas forcément sur la cam d'Exercès, mais il est en permanence en train de faire de la musique. il nous le montre. C'est, faut savoir que 100% des runners de SMO ont pris de la masse musculaire, quoi. c'est une stat qui a été approuvée par absolument tout le monde. Ouais. Chuck Norris a dit qu'il avait repris un peu en jouant à Super Mario Odyssey, ouais. Et du coup, en fait, quand on a les grandes box, il suffit juste de le taper. Au bout d'un moment, il est envoyé contre les pics. On fait ça 3 fois. La 3e fois, il est mort. Paf. Fin du combat. Après, il y a des petites optimisations, mais ça limite. Il y a des moments où, en fait, on va se placer derrière Bowser pour l'envoyer dans un certain angle sur les pics. Ce qui fait que, du coup, il va, au lieu de sauter 2 fois pour arriver sur une plateforme, il va sauter qu'une fois. Donc, on gagne 2 petites secondes, un truc comme ça. Donc, c'est des petites micro-optimisations dans le run. Justement, je voulais te demander pendant le combat pourquoi il se tournait d'une certaine manière pour taper Bowser. Bah, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, c'est pour gratter quelques petites secondes. Alors ça, c'est le genre de truc, quand j'avais appris le run, au moment où je l'avais appris, c'est le genre de petits détails, on le voit pas en fait. Enfin, c'est... Bah, alors là, au final, je dis ça, mais vous l'aviez remarqué tout de suite. Mais c'est le genre de petits détails qui, cumulés, ça a vachement d'importance et c'est ce qui fait qu'on peut gratter du temps sur ce jeu, quoi. Parce jeux comme ça, platformer, c'est des petites micro, petits déplacements qui font la différence, c'est pas les gros skips. Donc, parce que les gros skips dans ce jeu, la plupart d'entre eux font gagner quelques secondes. Hein. C'est vraiment pas. Il y a pas vraiment de skip à part un à la fin de la run qui s'appelle le moon skip, qui fait gagner 3 minutes. Ouais. Et sinon, c'est vraiment des petites opties, quoi. C'est vraiment des petites opties. Et donc là, le royaume donc Lost. Donc là, j'ai vu que la prédiction avait été lancée. C'est parfait. Le royaume de Lost, plus communément appelé les disparus par certains runners. Eh bien, en fait, pourquoi est-ce que Xerxes se force à faire le niveau à l'envers? C'est parce qu'il y a un klepto, donc qui est un aigle, le fameux aigle de Mario 64. Le vautour, ouais. Certainement. Qui nous vole notre casquette. Sauf que dans ce jeu-là, c'est terrible. C'est un petit peu comme si on vous volait le hover dans Mario Sunshine, quoi. Oh! Donc, c'est un peu comme quand vous chopez Jet dans Mario Sunshine, c'est terrible ce niveau-là, quoi. Et donc là, une petite micro-optie de la part d'Exercès, encore une fois, qui, bien sûr, décide de créer du buffer dans la mémoire du jeu pour gagner 10 secondes à la fin. C'est faux. Là, pour le coup, il va tenter quelque chose. Alors là, c'est pas grave de mourir. La deuxième fois, c'est pas grave. En fait, c'est plus rapide. Alors, en vrai, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que s'il meurt, il perd 1 seconde. Donc c'est pas un drame si jamais il meurt à cet endroit-là. Et c'est très difficile de remonter assez rapidement sans mourir et ensuite de faire assez de roulades. Ouais. Encore une fois, les roulades, il suffit de s'accroupir et de secouer la manette encore une fois pendant des siècles. Et c'est le déplacement le plus rapide du jeu hein, d'ailleurs ça. La roulade, c'est pour ça que Mario est toujours en roulade. Ou alors en ce qu'on appelle le spin pound. Alors le spin pound, c'est quoi? C'est un mouvement qui consiste à tourner un petit peu comme dans Mario Sunshine, vous savez, les spin jump, on appelle ça, le fait de tourner sur nous-mêmes. C'est le fait de tourner le stick approximativement 10 milliards de fois pour que Mario décide de se mettre à tourner sur lui-même. Et du coup, quand on va faire un saut et un grand pound, il va gagner énormément de vitesse, la vitesse maximale qu'il puisse avoir dans le jeu. Et du coup, ça me permet de gagner du temps. Yep. Et donc là, on y arrive enfin, ce niveau de la ville. Bon, pour l'instant, alors, il fait moche. Ouais. Ce sera plus sympa après, promis. Oh! Alors ouais, là, comment vous dire? Une Metro petite Kingdom. Optie. C'est une petite un Metro optie. Kingdom, un royaume assez controversé. parce que bon, certes, il est sympa, il est beau, mais il a été renommé New Donk City parce qu'on est dans la ville de New Donk City, en fait, en référence à New York, mais surtout à Donkey Kong. Pour cette ville là et le fait de bonk dans Mario c'est de se prendre un mur et ici les murs vous en mangez tous les à tous les recoins il y a beaucoup de recoins, beaucoup de petits murs, des petits tunnels qui et donc là on a vu le spin j'ai déjà oublié spin le jump, ouais. Enfin, spin pound, pardon. Ouais, le spin pound qui est... on voit bien que en effet Mario est tout de suite max vitesse une fois qu'il a lancé ça. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est un
petit détail, mais en fait, les spin parents, généralement, on va les buffer dans les cinématiques ou les zones de chargement. Parce qu'en fait, quand l'écran est noir, en fait, on le voit pas, mais on a déjà un peu le contrôle de Mario. Et du coup, voilà, là, vous voyez, le spin parent, il a fait instantanément. C'est quasiment impossible de faire un spin parent instantané, comme ça, en vous mettant dans un endroit dans le jeu, dans Sand Kingdom, par exemple. Et en vous amusant à tourner votre stick, vous verrez qu'il faut tourner pas mal de fois le stick avant que Mario décide de se tourner sur lui-même. Et là, on arrive au Mecha Wiggler. Alors, de la RNG dans le jeu, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est un des seuls endroits où, en fait, il y a un certain nombre de patterns. 8, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un des seuls endroits RNG de la run. C'est quand il est dans le mur, en fait, le Mecha Wiggler, il va décider de faire un certain pattern de déplacement et nous envoyer des boules de feu, et ensuite on va pouvoir commencer à lui tirer dessus au bout d'un moment. Yes. Et ce pattern de déplacement est plus ou moins long, et justement c'est ça qui est RNG en run, mais c'est vraiment minime, hein. C'est histoire de dire que oh là là, j'ai perdu une seconde, c'est à cause de la RNG du Mecha Wiggler. Toujours pouvoir blâmer quelque chose, c'est une règle. Ah mais de toute façon oui, c'est obligatoire. Hein. Bah puis la RNG généralement c'est toujours plus simple, ça, la manette. c'est des choses classiques. On a un petit taquin dans le chat qui nous dit regardez-le, il arrive à World Record et à écrire dans le chat. C'est vrai que Xerxes flex en allant écrire dans le chat, et ça c'est beau. Ah non mais ça, après ça m'étonne pas de la part d'Akrin, mais j'ai envie de dire voilà quoi, le petit Incus Dab, la divinité de Xerxes pour ceux qui savent, mais effectivement oui. Quelqu'un qui fait, qui encore une fois, les points de style, hein, le fait de runner et d'écrire dans le chat, il n'y a aucun problème là-dessus. Cette run est réalisée par un professionnel, ne tentez pas ça chez vous. Non. En parlant de scooter clip. Ah, ça va être le scooter clip, yes. Ça va être le scooter clip, plus communément appelé le Chiquita par certains runners aussi dans la commu FR. étant donné que là. Ou le Jewel Clip aussi pour certains, ça dépend. Hein. C'est, les noms de skip ont plusieurs appellations. Oh, ça j'adore quand le coup de je laisse mon chapeau pas loin du truc et le scooter skip. Ouais, alors en fait ça c'est ce qu'on appelle la drame ça, généralement. Bien joué. Ça consiste à mettre Capi dans un certain endroit et en fait en secouant la manette, Capi va aller chercher l'endroit capturable le plus proche. Le plus proche. C'est pour ça qu'on laisse à certains endroits. Et le scooter clip ça consiste du coup à clip dans la cage. Comme on a pu le voir, en fait, en passant sur la droite et en bougeant la manette à 90 degrés sur la gauche, du coup. Parce que oui, ça c'est important. C'est-à-dire que là, on le voit pas, mais sa manette, du coup, il l'a penchée vraiment à la verticale pour pouvoir faire en sorte que le scooter se penche vraiment sur la gauche, quoi. Et donc, magnifique scooter clip. Hein, voilà, ça par a contre, été... on a vu quand même qu'il avait frappé une pauvre dame qui avait rien fait. Est-ce que ça annulerait pas la prédiction ? Ouais, non, mais on peut considérer qu'il l'a first try le scooter clip du coup. Yep. Pour la prédiction. Bravo à tous ceux pour vos points. Là, voilà, vous allez pouvoir stonk ceux qui ont cru en lui. Exactement. Par contre, là du coup, petit. Alors ça c'est des détails, hein, mais vous voyez là le fait qu'il passe en première personne avant de parler à Pauline, ouais. Ça fait gagner, mais des. Enfin, vraiment des. Ça fait gagner moins d'une seconde, quoi. Et du coup, comment. Pourquoi ça fait gagner du temps ? Bah, en fait, ça permet de faire en sorte que quand elle arrive. Enfin, quand Mario arrive devant Pauline, plutôt que d'arrêter devant elle et d'attendre une seconde que la bulle de dialogue A pop, en fait, bah, en fait, on la fait spawn en faisant passer la caméra en première personne. Mmh. Et du coup, en fait, le fait de faire première personne, troisième personne, A, ça va plus vite que de juste attendre que une seconde que le truc pop, quoi. Ok, alors, c'est ouais. Vraiment minime, hein. Ouais. Mais c'est donc, les petits détails. Attention. Le Hotep. Yay. Le petit mème qu'il y avait à l'époque hein, sur la route des musiciens. Parce que bon, aujourd'hui, il y a d'autres routes possibles à métro, mais on va dire que la route de métro a pas mal changé quand même depuis 2017, quoi. Mm. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus safe, mais ça fait gagner... Je ne sais plus, je crois que c'est 5 secondes l'autre route. Donc c'est que ça. De hein. Toute façon, ce jeu, c'est que des optimisations comme ça. C'est des reroutes complets de certains royaumes. Juste mais, pour quelques secondes, ouais. Voilà, ça fait gagner vraiment quelques secondes à chaque fois, quoi. Aïe!
là pour vous dire, il y a un royaume qui va arriver plus tard. Il y a un royaume qui va arriver plus tard qui s'appelle Luncheon Kingdom. Et oui. Bah oui, oui, celui-là il est complètement fou. Et en fait, Xerxes va tenter du coup de faire le Spiwartless. Et le Spiwartless, en fait, c'est un reroute complet de la route du royaume en question pour gagner 10 secondes. En fait, alors 10 secondes ça paraît énorme, mais le fait de tout changer dans le royaume et pas juste se dire bon, à cet endroit là, je vais prendre telle lune, c'est vraiment du début à la fin, le royaume change, il est 10 fois plus dur. Enfin, vraiment, ça tout change. Ouais. Dans ce truc là. Là il va récupérer un petit Luigi Pixel. Alors ça sert à quoi les Luigi Pixel? On faisait un petit grand pan dans la piscine. Ça sert à avoir des pièces, beaucoup de pièces qui seront nécessaires à l'achat d'une lune dans le Royaume des Neiges qui arrive juste après Metro Kingdom du coup. Yep. Et là on arrive à la fin de Metro. C'est ça, avec les deux dernières lunes. C'est ça. On arrive au Stunfest. Justement, voilà, tout le monde. On espère vraiment que l'année prochaine ce sera comme ça. Et du coup, voilà, les deux dernières lunes avec les petites acrobaties pour arriver sur cette lune-là et hop, pouvoir se téléporter et terminer Metro Kingdom. Ouais, c'était. Il y a eu du bonk, mais c'était quand même propre. Ouais. Alors là, on est dans la catégorie Any Percent. Donc du coup, j'imagine, voilà, on va prendre le nombre de lunes nécessaires, comme on a dit en début de run, pour pouvoir terminer le plus rapidement possible. La Any Percent, est-ce que c'est collecter toutes les lunes du jeu? Et est-ce que cette catégorie existe? Est-ce alors, qu'elle est renée? Le 100%, tu veux dire? Le 100%. Ouais. Oui. Ah, le 100%, parce que alors du coup, alors en fait, vous avez plusieurs catégories. Vous avez le NI%, ensuite, donc enfin, le NI%, c'est comme dans tous les autres jeux, c'est faut finir le jeu le plus rapidement possible, quitte à le casser dans tous les sens. Ensuite, vous avez le. Comment on appelle ça? Le World Peace. Et alors, le World Peace, c'est quoi? Bon, on va pas traduire en disant littéralement la paix dans le monde, quoi. Mais ça consiste à faire tous les éléments scénaristiques du jeu. C'est-à-dire que dans tous les royaumes, il faut suivre l'histoire, affronter tous les boss okay. Qu'il peut y avoir. Et généralement, ça consiste aussi à choper tous les éléments que Bowser a pu voler au royaume en question. Donc la bague pour le royaume de Sind, les fleurs pour le royaume de la forêt, etc., etc. Et ensuite, vous avez le All Moons. Alors le All Moons, ça consiste à avoir toutes les lunes du jeu. Alors j'ai oublié deux trucs avant, mais c'est pas grave. Alors il y a le donc il y a le All Moons qui consiste à avoir toutes les lunes du jeu, mais ensuite il y a le 100%. Et c'est donc le All Moons n'est pas le 100% du jeu en fait. D'accord. Parce que dans le 100, vous avez des lunes qui consistent à choper tous les souvenirs avec les pièces violettes qu'il y a dans le jeu un peu partout, dans les boutiques, etc., etc. Vous devez avoir tous les collectables qui ne nécessitent pas d'avoir des lunes. Ok, ouais. Dans le jeu. Ouais, tous les costumes, parce que c'est vrai que bon, on le voit pas dans le speedrun là, mais Mario peut avoir différents costumes qui ne servent à rien. C'est ça. C'est juste cosmétique. C'est ça. C'est des points de style. C'est ça. Des points de style. Et du coup, qu'on peut avoir. Les estimates, par exemple, sur une catégorie All Moon ou alors en 100% par rapport à la Any Percent, on est à combien à peu près? Alors, c'est vraiment beaucoup plus long. Hein. Faudrait que je revérifie, mais. Je peux aller checker ça en même temps. Si dans le chat. C'est des heures et des heures. Hein, c'est des heures et des heures. Ah ouais, le All Moons. Lunes, quoi, des lunes, il y en a presque 900, je crois qu'il y en a 880. Ah oui. Donc, effectivement, si on veut juste faire du All Moons, alors Super Mario Odyssey. Hop. Ah oui, quand même. Parce que j'avoue que ça, c'est pas des catégories que je. Ah bah, assez spécial. Toutes les catégories sont spéciales, mais c'est vrai que le All Moons, quand tu vois le nombre qu'il y en a, tout le monde ne se lance pas dedans, quoi. Alors, du coup, le All Moons, le World Record est à 7h26. Oh là 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 là. Quand même assez conséquent. En 100%, on est à 8h55. Donc ensuite, en World Peace, du coup, faire tous les éléments scénaristiques du jeu, on est à 1h12, 22 secondes. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Dark Side et le Darker Side. Alors, Dark Side, c'est un royaume qu'on débloque quand on a 250 lunes. Qui est donc une des deux faces cachées de la lune, et Darker Side, c'est le côté encore plus sombre de la lune. Désolé, hein, spoiler, le dernier royaume, c'est la lune. En gros, ça, c'est à 500 lunes, et eh bien, on peut faire ça. Et donc, il y a des catégories qui consistent à aller terminer ces royaumes-là.
le plus vite possible. Donc du coup, faire un reroute complet pour faire pour choper 500 lunes. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que encore quand on est sur des RPG, parfois on a un petit peu le temps de souffler ou des choses comme ça. Mais là, 7h30 de run à faire que des tricks comme ça, à mon avis, il faut quand même être accroché. Hein. Ouais, faut être solide. Ah, hein. Mais c'est un truc de taré. Hein. Parce que comme non, tu dis, c'est... voilà, dans les RPG, souvent, tu vas voir la pause pipi parce qu'il y a cette grande cutscene que tu peux pas passer et que là, il y a pas de cutscene. Ah, il faut employer des techniques secrètes hein, pour les toilettes, hein, pour ces runs. Hein. C'est assez compliqué. Hein. Y a pas le de tuyau direct. C'est la Dark Moon. Enfin, qu'on peut pas. C'est la Dark Moon. Allez. Alors du coup, on arrive à la fin de Snow Kingdom. Là, il va se passer un truc. C'est la Snowdram. Alors c'est vrai que j'étais peut-être oublié de le préciser pour le royaume d'avant. Je sais pas si la pétition est en cours, mais la Snowdram, ça va être maintenant. Donc c'est un saut, ma foi, assez complexe. Mais j'ai il y a une fois en Xerxes qui m'a montré un jour, alors que je lui ai expliqué que je n'arrivais pas à le placer, ce truc-là. Il m'a dit, mais mec, c'est marrant, les mouvements que tu fais sont pas mal, mais je comprends pas pourquoi tu te mets là, essaie de te mettre là. Et depuis qu'il m'a montré son positionnement secret, eh bien c'est 100% de réussite à chaque fois. Et voilà, il l'a first try, GG. Bravo. Alors, ça va employer une mécanique du jeu qu'on appelle le vectoring, ça. Alors le vectoring, c'est quoi? Alors je vous rassure, hein, c'est pas moi qui vais vous parler de maths, hein, de toute façon j'ai hors de ça. Mais en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire en sorte que dans les airs, quand on va envoyer Capi, enfin quand on est dans les airs en fait dans le jeu, quand on va aller dans une direction, envoyer Capi dans la direction un peu opposée et faire un dive par là, ça va nous permettre de gagner de la distance en fait. C'est à dire que du coup si vous commencez à faire un dive dans les airs en allant vers la droite et qu'ensuite vous rechangez pour aller vers la gauche et ensuite pour dans les airs aller vers la droite, vous gagnez de la distance que plutôt d'aller tout droit quoi. Et en fait il y a un timing assez précis pour la Snowdram à faire droite, gauche, droite comme ça dans les airs. Et ça vous permet d'atterrir sur le petit rebord de la Snowdram, quoi. Et donc de choper la dernière lune du royaume. Ouais, parce que c'est vrai qu'elle est loin. Le saut, il est loin. Il n'est pas prévu par les développeurs, ce saut-là. Hein. C'est un saut qui a été longtemps considéré comme étant impossible. Et au final, bon, ils ont trouvé cette technique de vectoring qui permet de gagner de la distance et du coup... aujourd'hui, c'est faisable. Ouais. Ouais, c'est là qu'on voit que le jeu est incroyable, quoi. Et puis le speedrun du jeu est incroyable. Il y a tellement de mouvements qui étaient, alors beaucoup de mouvements prévus par les développeurs, mais et ce que les joueurs en ont fait, c'est il y a un pas. Ouais, même, voilà, hein. C'est surtout ça. Hein. Ce que les speedrunners en ont fait. Oui, les speedrunners, en effet. Ouais, les mecs qui cassent les jeux, quoi, ça dégoûte un petit peu. Pas comme ça, là. Mais on va dire que, ouais, effectivement, les runners ont su bien optimiser toutes les mécaniques qu'il y a dans le jeu pour être en permanence à vitesse maximale, quoi. Donc, c'est quand même bien pratique. Et donc là, par exemple, vous voyez, là, une chose qu'on n'a pas pu voir à Lake Kingdom, il a pris content d'un ship en mettant sa casquette dessus. Et vous voyez qu'il fait des petits tours sur lui-même. Ouais. Alors ça, c'est un petit truc qui permet de donner un petit boost quand on est en forme poisson comme ça. Mais attention, le problème c'est que voilà, par exemple là il a pris un petit mur, les bonks sont punitifs quand on est en boost comme ça. Mmh. Ça fait perdre quelques secondes, alors moins que quand on est à terre parce que c'est rare que un bonk dans ce jeu, quand vous faites une roulade contre un mur... ça dure approximativement l'infini, hein. C'est 2 secondes et demie. Ouais, c'est clair. Ça part très très vite. Hein. Bah, surtout sur une runway qui est aussi rythmée, qui est aussi exigeante, et puis où t'as quand même beaucoup de trucs dans le timing, quoi. En fait, là, voilà, on arrive à ce moment-là, il y a Nessie, c'est ça, c'est le nom de ce truc viré, ouais, qui est là, et donc il y a un cycle, enfin. Il y a des cycles à avoir. Je crois que ce sera encore pire sur le niveau d'après, non, point de vue des cycles. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Et alors là, le clip qui fait qu'on passe out of bounds, du coup. Donc le ship clip. Attention, quand on récupère cette lune, à ne pas repasser inbounds. Ok, il n'est pas repassé inbounds, du coup, parce que sinon, on doit se taper un petit labyrinthe de terre assez long. Alors pour ceux qui arrivent sur le chat, s'il y en a ou qui regardent ce speedrun et qui ne savent pas ce que c'est qu'un out of bound, en fait on va sortir des limites du jeu
et ça va nous permettre surtout de rejoindre une autre zone du jeu par l'extérieur des structures du jeu. Et l'objectif après va être de pouvoir re-rentrer dans le jeu et dans les codes du jeu pour pouvoir continuer à jouer normalement. Et donc en fait, c'est ce que Xerxes vient de faire vraiment brillamment. Yep. Bah ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors ce skip là, en fait, c'est pas forcément le plus complexe de toute la run. Mais on va dire que toutes les petites optimisations qui font gagner, je crois que celui-là fait gagner 12 secondes, un truc comme ça. Ça se prend en fait parce que ben la recherche de temps à gratter pour avoir le fameux sub hour sur Super Mario Odyssey, qui est vraiment il y a de très bonnes vidéos qui expliquent ça, comment ils ont fait pour choper le sub 1 heure sur ce jeu, qui sont disponibles. Bah, tout ce genre de petite opti, bah, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui certains runners comme notamment Cocorico Lightrun, qui est donc le premier runner FR et donc le premier aussi runner FR à faire le sub hour sur le jeu, yep, et bien on pu réussir à accomplir cet exploit, quoi. Non, en même temps, mais sub 1 heure sur Mario Odyssey, ouais, c'est, bah, je me rappelle quand je suis de très très loin, hein, ce qui se passe sur le jeu, donc je suis pas du tout au fait de l'actu, mais enfin, quand j'ai appris qu'il y en avait qui l'avaient fait et tout, et de voir comment, c'était incroyable, quoi. C'est vraiment... puis c'est ultra difficile, hein. Alors, là, du coup, on l'a peut-être pas vu. Enfin, on l'a vu, mais est-ce qu'on s'est rendu compte ? Est-ce que nos yeux ont bien vu ce qu'ils ont vu ? Mesdames et messieurs, c'est une run Luncheon Spiritless qui, du coup, est enclenchée. Puisque, vous l'aurez vu, Xerxes a fait un skip à l'instant, étant donné qu'il a totalement zappé le boss lapin. Et là, vous avez remarqué que le royaume, il est un petit peu géchant. Il n'est pas totalement chargé par rapport au moment où on va tuer Spiwart. Et du coup là il va faire une route très particulière qui fait gagner 10 secondes si vraiment tout est exécuté parfaitement, mais qui est d'une difficulté. Parce que par exemple, tout le monde connaît ce royaume en disant que effectivement il y a des boules de feu, parce que c'est le royaume de la cuisine et partout il y a de la lave. Bon, c'est une espèce de gélatine rose, mais qui fait office de lave. Yep. Et bien en fait, là, les boules de feu, il n'y en a plus. Ça n'existe pas, il faut faire tout le royaume sans les boules de feu. Ces petites boules de feu. Et du coup, ben, vous doutrez bien que c'est un véritable enfer. Et parce qu'elles nous permettent de nous déplacer dans la lave, hein, quand on en prend le contrôle. Voilà. Par exemple, là, on est censé faire ça. Bon, là encore, là, ça va, un petit capi-dive et ça passe. Sauf que maintenant, pour arriver là-bas, et ben, bon courage, il doit aller sur la partie qui est verte, là, qu'on voit en haut de l'écran. Et donc pour faire ça, il va devoir faire un dive, balancer Capi, prendre un dégât avec la lave, et ensuite rebondir sur Capi, parce que le fait de prendre un dégât, ça fait en sorte que quand Capi il est sur place, et ben en ayant chaud aux fesses comme dans Mario 64 là, et bien Mario va pouvoir rebondir une deuxième fois, ce qui est normalement impossible, sur Capi et donc atterrir à l'endroit en question. Et c'est tout ce genre d'optimisation qui vient de réussir qui font que du coup c'est vraiment quelque chose de très compliqué, quoi. Donc là on est dans une petite zone, donc c'est ce qu'on appelle les secret rooms, c'est un petit peu l'équivalent des secrets dans Sunshine, même s'il n'y a pas la problématique du on te retire Jet parce que c'est marrant. Mais en gros, ouais, donc ça c'est des petites zones un petit peu plus en mode arcade où effectivement il faut vivre des émotions, comme là Xerxes c'est en train d'en vivre, là j'en suis sûr. Les émotions sont assez fortes. On peut dire qu'il a essayé de casser quatrième mur, quoi. Donc du coup, là ce qui va se passer, c'est que il y a toujours pas de boule de feu, c'est dommage, hein. Mais maintenant il faut aller là-bas et c'est quand même assez loin, vous en conviendrez, mais pourtant il va falloir faire des efforts et arriver là-bas, et c'est chose faite. Bravo ouais. C'est en optimisant le plus possible de ses mouvements, quoi. Hop. Du coup, vous en conviendrez aussi. Là, notamment Mario, là, ce qu'il est en train de faire, on peut dire que vous en serez navé de l'apprendre, mais la suite de la run est assez compliquée, étant donné que là, il va devoir bien évidemment prendre ce petit navet en or et le balancer là-bas. Ah, oh, c'est beau. L'amener dans la soupe. Avec un spot précis. Dans la soupe pour avoir des lunes avec ses navets dorés, quoi.
Donc il va essayer de les mettre à deux, si possible avec la première lune de spawn, pour optimiser un petit peu le temps. Bon, ça fait gagner une petite seconde ou deux. C'est toujours ça de prix. Afin de minimiser un maximum les, comment on appelle ça, les animations de spawn des lunes en sortie de chaudron. Et là, il va aller acheter une petite lune dans la boutique, puisque effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on peut acheter des lunes pour 100 pièces dans la boutique. Par contre, on peut en acheter qu'une seule, du moins avant que l'on ait tué. Enfin, tué. Genre des termes un peu durs hein, pour un jeu Nintendo, mais avant que l'on ait vaincu, pardon, Bowser, et donc terminé le jeu une première fois, quoi. Parce que plus tard, en fait, il y a une mécanique qui revient dans le jeu. Quand on a fini le jeu une première fois, on peut acheter des lunes autant qu'on veut dans les shops pour 100 pièces. Donc ça, c'est un truc qui va être important dans la mécanique de, notamment des, comment on appelle ça, des autres catégories de speedrun. Par exemple, pour Darkside ou Darkerside, le fait d'acheter des lunes, c'est très pratique. Par contre, pour le All Moons, attention, le All Moons, c'est pas avoir 880 lunes, c'est avoir les 880 lunes du jeu qui sont disponibles un peu partout. D'accord. Donc, donc c'est, tu vas pas aller prendre celle du magasin, Ouais, non, ça ne marche pas, ça. Enfin, du moins, c'est pas dans les règles de la catégorie. Oui, voilà, ils ont dit, on fait les All Moons en legit, enfin, le plus legit possible, mais on va les chercher là c'est où ça. Elles sont dans le niveau. Voilà, c'est ça. C'est... Vous pouvez faire des petites optimisations, mais le but, c'est de les choper là où elles sont censées arriver, dans le niveau. Oh là là, pas de mind game, pas d'arnaque. Le claquage de la porte, et on rentre dedans juste après, ça, c'est incroyable. C'est toutes petites optimisations là qui font gagner à chaque fois des toutes petites millisecondes. Ouais, alors ce qu'il a fait du coup, ça s'appelle un spin throw. Alors spin throw, c'est quoi? C'est un lancer de capi, mais qui va tourner autour de nous. En fait, ça se fait en faisant un mouvement avec la manette de gauche à droite. En gros, enfin de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend. C'est parce que moi j'ai l'habitude de faire comme ça, mais en gros, on prend la manette et on la fait partir comme ça, sans la faire secouer. On la fait bouger dans l'axe, dans un certain axe, et du coup, ça permet de faire ce petit. Ce petit throw là quoi. Et là de son côté il a une petite lune à faire qui est donc par exemple une des lunes qu'on ne fait pas dans la route Tennis% avec le Spiward normal. C'est une lune où en fait du coup Capi va rester sur le mannequin et apparemment hein, le mannequin est assez têtu. Il veut garder Capi pour lui tout seul. Le mannequin ne voulait pas lâcher la casquette. Mais oui, et normalement, quand on fait le boss lapin, on a trois lunes du boss, donc forcément, on n'a pas à aller chercher celle-là. Et comme tu dis, ça change totalement tout le niveau, en fait. Ouais, c'est un reroute complet pour 10 secondes. Le royaume change totalement pour juste gagner 10 secondes. Enfin, juste. C'est quelque chose qui a été trouvé assez récemment, il me semble, le Spiwartless. Donc... Effectivement, le fait de dire aux gens « Hey, tu vois là, le temps que t'as eu qui est déjà pas mal ?» Si je te disais que si tu reapprenais tout ce royaume-là, eh ben tu pouvais gagner potentiellement 10 secondes, mais c'est 3 fois plus dur. Eh ben écoute, pas de soucis. Vendu. On parle là-dessus, quoi. Et Xerxes, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un runner qui, dans tous les jeux auxquels il touche, il va doser, quoi. Il va essayer de placer le plus vite possible bah, les gros tricks. De tous les jeux qu'il learn quoi. Pour la beauté du beau jeu quoi. Et donc là on arrive dans le royaume de From Software. on arrive bien sûr à Dark Souls avec Midir, du coup notre Dark Souls 3 qui nous accueille. Où tout le monde généralement se demande qu'est-ce qu'il fout là. Je n'ai jamais eu la réponse à cette question. Ah non mais je pense que personne ne l'aura jamais. Hein. Run de Dark Souls 3 qu'on aura le privilège de voir hein, en fin de cette c'est journée. C'est vrai, c'est... Oh, putain, ça se trouve, c'est le préquel. Ah, mais ça, c'est... Mais ça, c'est... C'est bien évidemment pour une petite mise en bouche, quoi. bon, après, là, ici, on fait... non, mais attendez, mais j'allais dire... Ah, non, mais quel con. J'allais dire, on fait pas de roulade, mais on fait que ça. Donc, non, mais c'est bien Dark Souls. C'est Dark Souls. Depuis le début, c'était Dark Souls. Et là effectivement bon là il s'amuse parce que du coup il est obligé d'attendre un petit peu les patterns du boss et du coup il s'amuse à choper un petit tas de pixels qui lui donne des pièces alors ça ne sert à rien c'est juste oui parce que on rachètera plus de lune en magasin et du coup voilà petite anecdote aussi la couronne qui est sur la tête du dragon on n'a pas besoin d'envoyer Capi pour la faire partir
Il faut juste retirer les clous qui sont sur sa tête. Ça suffit directement à retirer la couronne. Et là, alors vous dites que c'est simple, mais en fait, en casu, on le fait. Enfin, souvent, les premières fois, on ne retire pas tous les clous en un cycle. Alors non, on peut pas. C'est. Oui. Je pensais que tu disais qu'en fait, on pouvait en un spin throw retirer en même temps les clous. Mais non, oui. Ouais. Non, je disais parce que le dragon peut se réactiver avant que tu aies retiré tous les clous, en fait. Ah bah là, de toute façon, il a commencé à clignoter. Voilà, on n'était pas loin. C'était un petit peu en train de transpirer, quoi. Quand il se met à clignoter, il y a les émotions qui ressortent un petit peu. On est en train de se dire, tiens, il y a de la tension, il y a de l'électricité dans l'air. L'ambiance est électrique. On va toutes les faire. je sors mon dictionnaire des synonymes. Bouge pas. C'est un sacré coup de foudre qu'il y a entre Mario et ce dragon, quoi. Ouais. On sent que le courant passe. Le courant passe entre eux. Le courant passe entre eux, ouais. tout à fait. Xerxes. Les commentateurs s'enflamment. Effectivement. L'Odyssée qui est quand même dans le jeu prend cher, hein, entre le passage avec Lost Kingdom et puis celui-là. L'Odyssée se répare facilement, ça on peut le dire. C'est très bon score de réparation pour l'Odyssée. Ah mais ici, pas besoin d'appeler Olivier de Carglass, hein, là c'est directement l'impact, il fait plus que 2 euros, quoi, là, vous devez payer la franchise des 4 lunes, quoi, sinon ça marche pas, hein. Sinon le truc il va jamais redémarrer, y a aucun souci là-dessus, ça part bien comme il faut. Donc là on est à Bowser's Kingdom, yes. Plus communément appelé Japan. C'est ça. Bon, faut le résigner, hein. Vous devez résigner pourquoi. Mais un royaume qui, ma foi, est quand même assez complexe en fait. Enfin, de toute façon, dans le speedrun, les derniers royaumes, bon, peut-être pas Moon, mais les derniers royaumes de type Luncheon et Japan, c'est un petit peu les moments où, quand vous êtes en PvP, vous êtes vachement sueur parce que c'est vraiment les deux royaumes les plus compliqués, quoi, qui arrivent à la fin. Ça demande pas mal de techniques pour optimiser un peu le tout. Ça, c'est souvent. Et le but, ça va être. Vas-y. C'est souvent assez dur à gérer justement dans les runs quand on a déjà passé là par exemple 50-55 minutes à faire le début du jeu et qu'on sait qu'on est sur une PB pace et qu'on arrive sur un niveau très compliqué en fin de run. Souvent c'est très difficile à gérer pour les runners. Ah bah oui, bah forcément il y a un système. Stress, bon, ça c'est pour tout le monde, hein, la PB pace qui est de. Parfois, même quelques secondes, hein, on voit qu'on est dans le vert, on est content, on arrive à la fin de la run, on se dit allez, faut pas foirer. Et quand tout à coup. Et si on est français, on a la peur de gagner, donc voilà, c'est rouge direct. Quelque chose, et voilà quoi, c'est terminé. Donc là, il fait une petite route alternative pour choper les shards et non pas les shrines, comme parfois on a pu le dire avec Etienne sur Bowser's Fury, puisqu'en fait c'est le même principe, il faut avoir 5 shards pour avoir une lune. Ouais. Du coup, en fait, il y a plusieurs routes possibles pour avoir le plus possible les 5 éclats. Ouais. Shards. Et là, en fait, il utilise une technique qui consiste à passer par le toit, en fait, directement, qui est un petit peu plus safe, mais au final, ça fait pas perdre tant que ça. On va dire que la route opti des shards est vraiment très compliquée. Il y a pas mal de petites opties à prendre en compte, notamment un saut assez précis à faire en diagonale pour arriver sur le toit de la maison, quoi. Et l'hommage à Julgan qui est rendu. Spidon s'en souvient. Je pense pas que c'était volontaire, mais en tout cas, bel hommage. Un petit clin d'œil. Non, en fait, là, ce qu'il doit faire, c'est une drame. Où en fait, il doit envoyer Capi proche du poteau électrique, ouais. Le laisser tournoyer, faire un spin jump vers l'arrière, en gros vers la petite corniche qu'il y a sur le haut de l'écran. Et en fait, bah, comme Mario il tourne sur lui-même, c'est pas évident d'avoir le bon angle quand on va dive, et du coup, bah, il est tombé. Surtout que de mémoire, quand on a.
quand on a Capi de lancer, il faut maintenir un bouton, non, pour le maintenir là où il est. Oui. Oui, oui, et justement, oui, non, alors ça, on n'en parle pas, on en parle jamais assez, hein, mais ça fout la merde. Ça, parce que, bah, du coup, comme les boutons sont un peu à l'opposé, quoi, c'est pas évident d'appuyer. Ouais, ouais, la prise en main est pas instinctive du tout. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont dire au pire, enfin, par exemple, dans Breath of the Wild, beaucoup de joueurs s'obligent du coup à jouer en clos. Oui. Le clos, donc, c'est une technique particulière pour tenir sa manette, je pourrais pas trop vous la décrire à l'oral. C'est ça. Bah en fait vous agrippez pas la manette avec mais vous êtes bah un peu comme si vous teniez un stick arcade hein, un peu et on voit quand même un boss qui m'a l'air quand même assez compliqué hein. C'est surtout qu'il est assez long en fait, c'est pas non, c'est parce que Ariette en fait là c'est juste que là l'exercice il veut montrer du beau jeu là il veut montrer des émotions, il veut montrer que dans ce boss il y a bien évidemment différents patterns, il respecte le jeu, ouais, c'est ça. Respecte le temps de parole. Les speedrunners respectent les développeurs, évidemment. On veut montrer. Voilà. C'est pour ça, en fait. C'est pour le spectacle qui fait ça. Et pour, bien sûr, absolument qu'une autre raison. Ne commençons pas à dire que c'est potentiellement un fail ou quoi. Non, alors là, personne n'a dit ça et personne n'y croirait. Ça n'arrive. Enfin, non, mais personne n'y croirait absolument pas. Et du coup, là, par contre, Topper qui lui est assez malicieux, lui, par contre. Le retour, hein. Souvenez-vous, c'était le premier boss. Ouais, c'est tout le premier boss. Mais en fait, tous les lapins, normalement, on les recroise deux fois dans le jeu. Mais on va dire que dans le speedrun, on n'est pas obligé de tous les faire. Et du coup, y a certains qu'on n'a pas vu, quoi. Notamment celui que je déteste le plus, qui est. Comment il s'appelle Ah, comment il s'appelle celui qui a... J'allais dire celui qui a le chapeau. Ils ont tous des chapeaux. Ouais, c'est le chapeau de paille. Oui, voilà. Ouais, ouais, le chapeau de paille avec une pointe. Rango. Rango, parce que pour m'en souvenir, je pense à Rambo, mais il faut mettre un G. Donc voilà, c'est ça. Il s'appelle Rango. Et lui, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible, le fight contre lui. Ouais, il faut un sacré timing. En fait, ouais. Faire assez rapidement, mais parfois, il a tendance à troll un petit peu, donc... Donc c'est pas plus mal de plus avoir à le faire. Oh là là. Oui voilà, parce que du coup on le skip à lake en faisant le fameux lake skip, enfin lake clip, pardon. Et c'est plus un problème du coup. Alors là, évidemment, coup, normalement il faut pas passer dans le vide comme ça, comme vient de le faire exercice. Enfin c'est pas prévu comme ça, il y a une texture sur le mur, on a vu, on va l'utiliser là. En fait ça permet aux petits oiseaux voilà, de se planter dans le mur et de s'éjecter. Voilà, ouais, on peut faire ça, et en fait, quand on est planté dans le mur, on peut secouer la manette, ou alors aller dans la direction opposée avec le bec pour envoyer dans... Enfin, aller vers le bas pour envoyer vers le haut, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, faire levier. Et, effectivement, ça permet de monter. Et donc là, attention, le Pokyo, donc l'oiseau, on est censé l'utiliser pour le boss qui arrive, qui est donc le Mecha, donc de Japan, qui est donc le boss de fin de Japan. Et nous, en fait, on dit tout simplement au jeu, les oiseaux, c'est bien, mais... Mais pas besoin. Au final, nous, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Pas vraiment. Et on va devoir faire des sauts assez précis avec... Il le fait tellement vite. Avec l'usage des capi-dives. Et être en permanence dans les airs pour pouvoir réussir à faire ce qu'on appelle le fast mecha. Alors, il y a plusieurs setups hein, pour le faire. Mais donc on verra si Xerxes décide de faire... Alors il n'a pas l'air de partir sur Ariad First, il m'a l'air de partir sur Spiward du coup. Là on n'a pas l'impression, hein, mais je peux vous dire que c'est complètement ultra chaud hein, de faire ce que déjà les deux premiers qu'il a fait, c'est super super dur. Pour rester sur le mecha... Le casino. Là, c'est le... Ah, ça y est. Ça va. Bravo. Parce qu'en fait, quand il reste que Ariet, il se met à bouger dans tous les sens. Et c'est un petit peu la partie casino, quoi. C'est-à-dire vous faites des grandes pentes en espérant qu'elle se mette en dessous. Et si vous avez le malheur de rebondir sur Ariet, eh ben, vous êtes projeté à l'autre bout de la map et vous êtes déçu parce qu'il faut tout remonter. Et là, par contre, vous avez besoin des oiseaux pour remonter. Enfin, du moins, c'est conseillé parce que là, le mecha, il va vous suivre du regard. Et du coup, pour monter, c'est pas évident, du coup. Alors là, il était vraiment bien exécuté, hein, ce mecha. Et alors là je le colle maintenant. Ici, c'est une blague que je fais très souvent par rapport à ça. Mais là, on arrive à Moon. Et là, on arrive à Moon et on arrive au skip inratable. Inratable de la run et que Xerxes ne va bien évidemment pas louper. Puisque, du coup, je lui fous la pression par rapport à ça. Mais il y a ce qu'on appelle le Moon Skip.
Et alors le mode skiff, c'est un skiff qui est assez formidable. Parce qu'en fait, ça consiste à faire deux wall jump, en gros, et de skip l'intégralité du royaume de la lune, quoi. Et ça fait gagner 3 minutes, parce que non, il y a une grotte, on est censé aller dedans, Totalement, ouais. Et ça dure 3 minutes en speedrun, quoi. Et c'est assez long, parce qu'en plus, à la fin, il y a Madame Broodles, où on doit la vaincre, encore une fois, sauf que son petit chomp, là. Donc Madame Broodles, c'est celle qu'on a vue au tout début, avec son chomp doré. Sauf que là, son chomp doré, il a 3 chapeaux, enfin, c'est un... C'est tellement long pour rien, et et là, du coup, le fait de faire ce ski, ça permet d'arriver là. Et donc, comme je l'avais dit, 124 lunes. L'Odyssée est enfin complet, et c'est devenu une montgolfière, en fait. Ouais, alors pour aller à Japan, on est déjà comme ça, on est déjà en mode montgolfière, sauf que là, maintenant, on a la possibilité d'aller sur la Lune, parce que on a mis de la peinture jaune. C'est ça. On sait que la peinture jaune, c'est bien plus efficace pour aller sur la Lune. Mais c'est ce qu'utilise la NASA. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que, ah oui, c'est vrai que Mario se change quand même. Beau gosse. Il va à un mariage, il se change. Il va au mariage de Bowser. Hein. Oui, ouais, il y va en tant qu'invité. Hein. C'est le témoin. C'est le témoin, du coup. C'est le témoin des comédies romantiques. C'est-à-dire que c'est celui. Non, en fait, marie-toi avec moi. Alors, vous voyez le saut qu'il est en train de faire ? Ça, c'est du vectoring. Il a fait un triple saut vers la droite, enfin vers la gauche, un vers la droite et un revers la gauche. Et du coup, le dernier, comme il a pu l'enchaîner, il est... dans les airs, en fait, Mario était orienté vers la gauche, mais il allait vers la droite avec son stick. Et du coup, ça lui a permis de gagner un maximum de vitesse pour arriver là-bas, quoi. Là, c'est pareil, vous voyez, quand il saute, là, il saute vers la gauche, mais il se remet un peu vers la droite, comme ça, il se penche, et ça fait gagner du truc. Et donc là, attention, Mousse Skip. Ça, alors, on dirait pas, hein, comme ça, on dirait que les wall jumps sont gratos. Ah, oh, le beau jeu. Oh, le... Oh là là, mais alors en plus, bien alors, joué, mais... magnifique. Oh là là, mesdames et messieurs, non seulement c'est un moonskip, mais c'est un moonskip fait sur un seul mur. Chose quand même. Normalement, tu vas sur l'autre. Il est beaucoup plus dur. Hein. Normalement, tu vas sur le mur opposé. Et c'est carrément difficile. Hein. Faut pas croire. C'est vrai que ça voulait nous faire du beau jeu. Hein. Clairement, tout au long de cette run, Il a donné. Ah non, mais en plus là, il a au niveau du temps, faut pas croire, hein. Il est vraiment bien. Hein. Ouais, ouais, donc, ouais. Donc effectivement, ouais, non, là, ce qu'il nous fait, c'est vraiment beau. Hein. Ce qu'il nous fait, c'est vraiment beau, c'est une très belle run. Et en plus, il se force à montrer de belles choses. À montrer un petit peu les produits du terroir de SMO, quoi. Le petit artisan. Alors, regardez bien, là. Alors, je sais pas si Exercice, tu peux nous montrer ça. Ah non, mais, il est en train de me contredire à ce moment-là où je dis ça. Est-ce que tu peux nous montrer, si t'as l'occasion, quand tu montes quand tu sautes par au-dessus des flammes, à quel point c'est juste une plaque au sol? Genre sauter dans le feu comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand Bowser il crache du feu, en fait, c'est vraiment un tout petit laser, c'est un tout petit trait, en fait, la hitbox. Et du coup, on peut carrément sauter dans le feu sans prendre de dégâts. Et au moment où j'ai commencé à dire, bon, alors si jamais c'est un petit peu de la merde cette mécanique, il s'est pris un dégât de feu parce qu'il a touché le laser, quoi. Regardez, vous voyez, c'est vraiment très petit là. Ouais, en effet, ouais. Il passe carrément dans le feu et au final, on s'en fout. Regardez, il a même bon contre le mur pour esquiver le truc, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur des points de style encore assez importants, quoi. Il va finir avec une grosse note de style, ça c'est sûr. Donc là, le premier hit sur les chapeaux, hein, est normal, est prévu. Oui, d'ailleurs, ouais, c'est un damage boost qu'on fait pour pouvoir récupérer le chapeau. Encore plus vite en faisant un petit back, enfin, ouais, c'est ça, un backflip en fait avec Mario. Et là, on arrive à la phase finale du jeu où on arrive dans la lune. Et ça y est, en train de s'effondrer, et on va prendre le contrôle de Bowser. Enfin, oh là là, enfin, là là. On contrôle Bowser dans un Mario incroyable. Et d'ailleurs, je ne doute pas que Xerxes va nous tenter de faire un petit 2D skip skip. Il n'a pas mis en prédiction et qui ne m'a pas parlé du tout avant de lancer le run. Mais il a dit oui de la tête, quoi. Il voulait te faire une surprise. Je sens venir dans la cam. Là, voilà, il hoche la tête. Il a le regard malicieux, ouais. Voilà, attention. Donc le 2D skip skip, c'est un truc de taré. Le WR ne le fait pas. Enfin, alors si, il s'est déjà amusé à le tenter, quoi. Mais c'est assez complexe, quoi. Alors. En gros, ça consiste à faire quoi? Ah, il retente. Ça consiste à profiter des endroits qui sont présents. Ah, il retente, hein, c'est... Ils veulent faire jusqu'au bout. Ça, c'est beau, ça. Tant pis. On va passer à autre chose. Ouais, c'est ultra dur. Hein. Alors, en fait, regardez, là. Je vais pouvoir expliquer comme ça. Là, maintenant, à chaque fois que Bowser il va monter, il y a des parties du décor qui vont se barrer. Ouais. Et en fait, ça forme une certaine ligne.
en gros à ces endroits. Et en gros, avant que ça qu'on rentre dans le tuyau, eh ben on peut rebondir sur les pixels des endroits qui vont se barrer quand on va être dans la zone 2D quoi. Et du coup, ça consiste à faire ça, le tout descriptif, c'est sauter précisément dans les coins des endroits qui sont censés s'effondrer quoi. Et c'est vraiment un setup, c'est le truc le plus dur du jeu, on va dire, qu'on peut potentiellement faire dans la run, et ça fait gagner 7 secondes. Ça fait gagner 7 secondes, hein, parce que bah, pourquoi est-ce que ça ferait gagner une minute hein ? Pourquoi est-ce que le truc serait rentable ? Enfin, si rentable que ça, quand au final, on peut juste gratter quelques secondes. Quoi. Et donc là, on a vu, il a fait tomber, je crois qu'il a fait tomber le premier pilier avec les boules de feu. Hein. L'idée, c'est de... Bah, de les pré-shot au max, hein, évidemment. Ouais, donc le but, ouais, ça va être d'envoyer des boules de feu en secouant la manette ou en appuyant sur Y. Sur les piliers. Et une fois que tous les piliers sont détruits, on arrive au milieu. Et d'ailleurs, il va pas falloir tarder à faire time. Alors, exercice, si tu peux nous dire time, parce que... Non, mais je le ferai... Bah après, ouais, mais t'as le retard du stream comme nous. Ah bah là, on peut faire time, du coup. Hein. Time, désolé. On peut faire time, du coup. Ouais, parce que c'est normalement voilà, c'est à ce moment-là. Bravo. Merci. Gros bravo, Xerxes. Gros GG. C'était vraiment une très belle run. On a vu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de tricks. Franchement, un grand GG à toi. Mm-hmm. Alors juste, il y a le 2D skip qu'on a pas, que j'ai pas réussi, que j'aimerais quand même montrer à tout le monde pour voir à quoi ça ressemble. Écoute, t'as gagné, 5 minutes sur ton estimate. Tu peux y aller si c'est si c'est pas. Voilà un clip que j'ai fait le mois dernier. Nice. Voilà, à quoi ça ressemble. Donc là, on voit bien qu'on rebondit. Oh là là, on rebondit sur, on rebondit tellement sur du vide. Allez, ah, parfait. Et ben voilà, il y a dans le chat, ça avait été dit, dans nos cœurs, il a réussi. Et ben voilà. c'est vraiment beau. La régie dit scandale. La régie est scandalisée par ce skip. Non mais là c'est un truc de taré ça. Hein. C'est, Ah bah de toute façon, Bowser rebondit littéralement dans le vide quoi. Il y a la petite fumée qui se fait dans l'air. Allez, au KLM. Mais c'est en fait c'est un pixel vraiment un seul pixel qui dépasse du mur et pour rebondir dessus. Alors, et félicitations d'ailleurs à celui qui a trouvé ça. Parce que et qui s'est dit mais en fait on pourrait le faire jusqu'au bout. Ouais. Et puis du coup il l'a fait une fois, il est tombé 150 000 fois, il s'est dit mais on va quand même continuer à y aller pour trouver le deuxième pixel. Il fallait en trouver un troisième derrière. En fait moi pour le faire j'ai mis 18 heures à le faire. Ah la vache. Ah c'est la violence. C'est-à-dire que voilà, il y a des jeux qui durent moins longtemps que ça. Alors, merci beaucoup à vous deux. C'était merci vraiment merci à toi pour la performance et à Mas pour les commentaires qui étaient vraiment cool. Pas de soucis. C'était vraiment parfait. On va pouvoir passer à la suite. J'ai déjà oublié ma mémoire. Pingu, effectivement, ouais. Pingu, bordel. Comment j'ai pu oublier Pingu ? Parocrex. Donc ce sera à peu près la même, le même talent hein, à la manette. Ce sera vraiment aussi skillé, c'est sûr. En tout cas, encore merci messieurs. Merci beaucoup et à vous deux. Et à très vite tout le monde. À tout de suite.